Je vous retrouve pour la dernière vidéo de ma gamme, de ma catégorie, les produits chouchous du moment par 5. Pas très clair ce que je dis, mais enfin bon, si vous avez vu les autres vidéos, vous savez de quoi je parle. Et si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes rouges à lèvres préférés du moment. Alors, on va prendre dans l'ordre le plus clair. Donc c'est de chez Essence. Bon, on voit pas. C'est le numéro 03 Comme Naturally. Alors pour le coup, il est pas vraiment naturel. La couleur, elle est un peu... J'aime beaucoup, mais c'est pas du tout naturel comme couleur. Ça fait un marron avec des petits reflets violets. On les voit pas forcément beaucoup à l'écran, mais vraiment, je vous jure qu'il y a un sous-ton un petit peu violet-rosé qui est très très joli. Ça fait vraiment une bouche un petit peu l'air. Je l'ai déjà mis sur certaines vidéos, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais vraiment, il est top top top. Je trouve qu'il... Bon, il tient pas toute la journée, hein, faut être clair, il faut faire des retouches. Mais vraiment, il est très agréable, il est très brillant, très, très crémeux, très agréable à porter et à appliquer. Et puis c'est un essence, donc je crois que c'est 2,50€, quelque chose comme ça. Je l'avais vu chez Auchan, je l'avais acheté chez Auchan, et je crois qu'ils les ont encore. Oui, ça doit être 2,50€ ou 2,60€, cette petite chose. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, dans un autre genre, une autre gamme de prix, c'est de chez Too Faced. C'est le Melted que j'ai eu dans la Glossy Box spéciale Too Faced. Et c'est le Phony, ouais, qui est comme ceci. Hop. Voilà, qui a une couleur un petit peu vieux rose, qui est très très jolie. L'embout mousse, je suis pas très fan hein, pour l'appliquer, il faut être clair. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Et vraiment, il est très joli. Il a un effet satiné, il va se matifier dans la journée, il est vraiment top. Il est pas sans transfert, c'est dommage, mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Et peut-être qu'un jour, je serai susceptible d'acheter d'autres Melted, même si 20€ le rouge à lèvres, ça me fait toujours un petit peu mal quand même. Peut-être un jour pour mon anniversaire ou quelque chose comme ça, on verra bien. Ensuite, de chez Sephora, alors ça, c'est un de mes coups de cœur les plus récents. C'est le Wonderful Cushion, et est-ce qu'il a son petit... Est-ce qu'il a une pinon? Oui, c'est le Wonderful Purple, donc c'était le plus foncé qu'ils ont sorti. Vous savez, c'est avec le petit embout mousse, c'est pareil, hein, l'embout mousse c'est pas top top top. Je vais essayer d'en faire sortir un petit peu, oui, voilà. Et c'est vraiment une couleur de dingue. Ça fait un prune avec un petit peu de rose dedans, un peu fuchsia mat. Complètement mat, pareil, il est pas sans transfert, c'est dommage, mais vraiment, elle tient très bien sur la journée. Bon, faut peut-être faire un peu de retouche, mais il tient quand même, il reste toujours un petit peu de couleur, et vraiment, elle est top, top, top. C'est pas, j'avoue que l'application est pas top, top, on s'en fout un peu partout si on fait pas attention, donc c'est vrai que le réajustement dans la journée, c'est pas évident, mais vraiment, elle est très, très belle, et elle apparaît plus, plus rose à l'écran qu'en vrai, hein. Elle est un petit peu plus violette en vrai. Ensuite, je vais terminer par ma marque chouchou en tout du moment. De toute façon, ça c'est des produits très récents, mais vraiment qui je valide à 100%. Donc c'est de chez Kiko, c'est le 103, là c'est de chez la gamme Gossamer Emotion. Et oui, c'est le numéro 103. Donc ça, je vous les ai présentés dans mon haul récemment. Donc ça c'est un nude qui est très très joli, que j'aime beaucoup, qui est très crémeux, qui s'applique très facilement. Quand je fais mes yeux un peu plus soutenus, je mets ce genre de produit. Et là, celui-là, je l'ai testé toute la semaine dernière, il est vraiment top. Et ensuite, dans la gamme Velvet Passion, c'est le numéro 316. Donc c'est pareil, c'est un nude un petit peu plus soutenu. Voilà, il est très joli, c'est pareil. Le mat est vraiment superbe, ils sont très agréables à porter. C'est un de cette gamme-là que je porte aujourd'hui, je crois que c'est le 317. Ou le 316, je sais plus, ça fait un... C'est un des plus... C'est une des couleurs les plus foncées, je crois. Ils sont très agréables, ils ne tirent pas sur les lèvres, ils restent bien mat. Bon, ils sont pas anti-transfert, ça c'est clair. Mais du coup, ils sont très agréables à porter, alors que parfois quand ils sont anti-transfert, du moins ça tire un petit peu sur les lèvres. Là, il n'y a pas de souci. À appliquer, c'est relativement facile. J'avais dit que je ne devrais le mettre au pinceau, et aujourd'hui je ne l'ai pas mis avec le pinceau, donc finalement c'est faisable. Donc voilà, c'est mes rouges à lèvres chouchou du moment, ce que je mets le plus souvent. Donc vous voyez, c'est plutôt des couleurs assez claires. J'ai un peu... je suis un peu revenue sur les couleurs très 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 foncées, je trouve que ça ne me va pas très bien. Ça, non, ça me va pas très bien, ça fait un trop, ça jure trop avec ma peau. Je pense que j'irai pas plus loin que les couleurs comme ceci. Et je me mets tout doucement au rose. Tout doucement, on verra. Voilà, c'était une vidéo très très courte aujourd'hui, puisque bah, les rouges à lèvres, ça va un peu plus vite à présenter que les autres. Juste pour les gammes, les prix, ceux-là, elles sont à 8,90€, mais parfois vous avez des petites réductions. Celui-ci, je crois que c'était 12€. Quelque chose comme ça. Bon, je l'avais eu à moi, j'avais utilisé un moins 20% dessus, donc ça m'avait hésité bien.
Celui-ci, c'est un petit format, donc je sais pas si on peut les acheter tout seul en France ou si. Je sais qu'ils avaient été mis en coffret avec un blush pendant un temps, mais là je sais pas si vous l'avez tout seul, mais en grand format ils sont à 20 € je crois chez Sephora. Et puis ceux-là de la gamme, les gammes de chez Essence qui sont vraiment top, qui sont à moins de 3 € je crois, et vraiment ils tiennent très bien, ils sont tout à fait corrects pour le tarif. Donc voilà mes petits chouchous du moment. J'espère que cette gamme de vidéos vous aura plu. Il n'y en aura pas avant un petit moment puisque j'ai plein de produits à tester, donc il faut le temps que ça se refasse. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Bientôt vous allez avoir un concours. J'avais dit que je le ferais pour mon anniversaire, mais j'ai pas eu le temps. Donc du coup, je vais trouver le temps de préparer le concours. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Hein. S'il y en a quelques-unes qui n'ont pas eu de réponse à leurs commentaires, n'hésitez pas à me le dire. J'essaye de répondre à tout le monde car j'ai pas encore assez d'abonnés pour dire oh, je suis débordée, je n'ai pas le temps de répondre. Non, je suis très contente d'avoir mes 600 abonnés. C'est vraiment très 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 agréable. Mais je prends le temps de répondre. Alors parfois c'est plus ou moins long, mais j'essaye de répondre à tout le monde. Je vous fais des gros gros bisous. À très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!